Diabolo est persuadé que la petite sirène vit cachée dans le lac à côté de sa maison. Pour en avoir le cœur net, il a décidé de filmer son lac plus la maison pendant 24 heures. C'est maintenant qu'il va découvrir les rushs plus la petite sirène filmée par ses caméras de surveillance. Il est actuellement 9h30 du matin. Je m'apprête à me lever pour aller faire ma balade de vérification au ruisseau et au lac à côté de chez moi. Vérifier si la petite sirène est vraiment là. Mais je vous le dis, j'en suis sûr et certain, les abonnés, la petite sirène, elle est dans le lac à côté de chez moi. Mais peut-être que je me trompe et qu'elle est déjà dans ma maison. Et c'est pour ça qu'on regarde les rushs ensemble. Puisqu'à tout moment, vous allez voir la petite sirène alors que je ne la vois pas. Et si vous la voyez, vous êtes des sacrés enquêteurs, là, peut-être sous le lit, à la fenêtre. À tout moment, elle est là déjà cachée dans ma maison. Si vous la voyez, n'hésitez pas à mettre le timecode correspondant en commentaire. Le moment de la vidéo qui correspond, je mettrai un gros cœur à tous ceux qui ont trouvé. Voilà, vous serez les giga inspecteurs Diabolo. Vous ferez officiellement partie de la team zombie. Et oui, on relance la team zombie. Là, je vais prendre un maxi jus d'orange pour me préparer à aller au lac et au ruisseau voir la petite sirène. Mais à tout moment, comme je vous le dis, la petite sirène, elle est peut-être déjà dans ma maison, peut-être déjà sur ma terrasse. Et elle va passer, regarder de la fenêtre derrière ou à gauche, peut-être plus la fenêtre derrière, je pense. Il y a moyen qu'elle soit à la fenêtre derrière. D'ailleurs, petit quiz rapide, les abonnés. Regardez le personnage tout à gauche de ma petite table là. Le personnage avec des tentacules de pieuvre. Quel est le nom de ce personnage? Attention, ne trichez pas, écrivez votre petit commentaire. Tous ceux qui auront trouvé, je mettrai un giga cœur à votre commentaire. Et vous pourrez aussi me poser une question et j'y répondrai. Mais uniquement si vous avez trouvé le nom de ce personnage tout à gauche de ma table. Avec les tentacules, les cheveux violets. Quel est le nom de ce personnage du film La Petite Sirène? Là, j'arrive dans mon hall d'entrée, enfiler mes petites chaussures pour partir au ruisseau et au lac. Vérifier que la petite sirène est bel et bien là. Ça a pas duré longtemps les moments dans la maison. Là on va aller chercher la petite sirène sur son territoire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis plus de caméras de surveillance que j'ai mis au ruisseau mais aussi au lac avec différents points de vue. Vraiment vous allez kiffer, vous allez voir, c'est très stylé. Donc là c'est parti, j'ai enfilé mes chaussures, j'ouvre la porte de ma maison et je pars. Là on arrive au ruisseau avec la petite cascade. Regardez, j'arrive tranquillement me poser sur le petit muret. Voilà, tranquillement je me pose, j'essaye en vérité d'attirer la petite sirène. Bon, je suis pas sûr que ce soit si efficace que ça. Eh mais, en fait, je suis tout le temps les bras croisés. C'est énorme. Bon, voilà, je suis les bras croisés. Je profite simplement de la nature. C'est vrai que c'est quand même plutôt cool comme cadre. Voilà, un autre point de vue, une autre caméra de surveillance. D'ailleurs, vous remontrez un petit peu juste avant, mais je sais pas s'il y en a qui ont vu à gauche une énorme libellule qui est passée. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il y avait vraiment une énorme libellule qui est passée juste avant. N'hésitez pas à remonter un petit peu, vous la verrez. Donc voilà, là, je fais le tour tranquillement. Et là, tout le monde, la petite sirène, elle peut peut-être venir. Ah, là, c'est sûr que peut-être la petite sirène, elle peut clairement venir. Ok, non, je reviens ici. Ok. Et je pars en direction du lac. Là, on a une caméra de surveillance sur le ruisseau à côté de la cascade. Un ruisseau qui mène directement au lac. À tout moment aussi, la petite sirène, voilà, elle peut se mettre, regardez, sur le bord de rive, là. Sur le bord du petit ruisseau, se poser, faire petite bronzette. Donc voilà, c'est des plans qui sont très intéressants. Bon, on va au lac directement. Ici, on se retrouve au lac. Et regardez, j'arrive tranquillement me poser. Oh, j'ai aucune dégaine, hein. J'ai mis des chaussettes hautes, j'ai fait n'importe quoi. Mais voilà, on est là pour voir la petite sirène. On n'est pas là pour faire un concours de beauté, hein. On n'est pas un défilé de mode. Là, on est en mode aventurier. On essaye de trouver la petite sirène. Je jette un caillou dans l'eau pour possiblement attirer la petite sirène. Mais rien à faire, pas de petite sirène. En tout cas, pas maintenant. Peut-être que vous, vous l'avez déjà vu, mais que moi, malheureusement, je ne l'ai pas encore vu. À tout moment, la petite sirène, elle est peut-être tout au fond du lac, à gauche, je sais pas. Mais c'est largement possible, les abonnés, je vous le dis. La petite sirène, on va la filmer avec mes caméras de surveillance dans cette vidéo. Ok, là, je pars vers je sais pas trop où. J'en profite pour regarder une de mes autres caméras de surveillance et une autre vision du lac. Voilà, à tout moment, il y a aussi la petite sirène qui apparaît sur cette vision. Je pense que je vais rentrer à la maison parce que c'est bon. Voilà, là la petite sirène, elle m'a forcément repéré et elle va sans doute me suivre jusqu'à ma maison. Donc là peut-être que vous l'avez déjà vu, moi en tout cas je l'ai pas vu. Mais voilà, on va la provoquer et j'ai une petite technique pour la provoquer pour être sûr qu'elle vienne dans la vraie vie. Vous commencez à la connaître, on va pas tarder à l'utiliser. Pour ceux qui me connaissent pas, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Je rentre chez moi, voilà, tranquillement, je rentre, j'enlève mes chaussures et là ça va commencer. Les choses sérieuses commencent, les abonnés. Puisque là, la petite sirène, elle m'a repéré. Elle va sans doute s'introduire dans ma maison. Et là, on va pouvoir la filmer à l'intérieur de ma maison grâce à mes caméras de surveillance
placée un petit peu partout. Vraiment, vous allez voir, on va la filmer. Mais pour la filmer, comme je vous l'avais dit, il nous faut un petit coup de boost. Ce petit coup de boost, vous commencez à le connaître. Pour amener un personnage ou un monstre chez moi dans la vraie vie, il faut toujours que je le trouve dans Minecraft avant. Vraiment, c'est pas une blague, il faut que je le trouve dans ma maison sur Minecraft. Ça le met peut-être en confiance, puisque je ne lui fais pas de mal dans Minecraft, juste je le trouve. En plus, le personnage ou le monstre doit se dire, ah voilà, il est occupé, il est devant son PC, il fait plus attention à moi, je vais pouvoir m'introduire dans sa maison. Mais attention, il faut que je le trouve dans Minecraft, et ça, c'est pas si facile. Et là, je peux vous dire quelque chose, dans Minecraft, la petite sirène, elle va être extrêmement stylée. Bah, au pire, on fait quelque chose, on se retrouve sur Minecraft, je vous montre la petite sirène, et on se retrouve. On va trouver la petite sirène sur Minecraft. Elle est pas loin d'ici, sur la plage de cette ville. Si je la trouve dans Minecraft, ça la fera venir dans la vraie vie. Et comment est-ce que je saurais qu'elle est là? Et comment est-ce que je saurais qu'elle est là dans la vraie vie? C'est très simple, j'ai cette petite tablette. Et sur cette tablette, mes caméras dans la vraie vie sont directement reliées. Regardez, là par exemple, on voit la petite cascade non loin de chez moi. Mais on peut aussi voir le ruisseau et différents points de vue du lac. Voilà un premier point de vue du lac et un second. Et d'ailleurs, il y a aussi plein d'autres caméras qui sont reliées à cette tablette. C'est une nouvelle tablette, voilà, j'ai fait une nouvelle mise à jour et je toutes les relie à ce seul et unique bouton. Pour ceux qui pensaient que j'allais ramener la petite sirène dans ma maison, bah c'est pas possible, hein, y a pas d'eau. Donc il suffit d'aller à la plage sur Minecraft. Et pour ça, j'ai prévu des petites moto pour se rendre à la plage en compagnie de 708 sienne, du skip des toilettes, yeah, de Koba. Et je crois que c'est bon, on est l'équipe est entière, l'équipe est au cas. Donc là c'est parti, je prends ma petite moto rouge. Qui prend quelle moto là? T'as pas besoin de prendre une moto toi? Regarde. Eh mec, tu marches sur quoi là? Tu marches dans le vide? Non mais what? Ah ouais, d'accord. Bon, dans cet épisode les abonnés, je vais vous filmer la petite sirène dans la vraie vie grâce à mes caméras de surveillance. C'est une dinguerie. Par contre, comment, où est-ce qu'elle est la plage? Le mec a bien préparé sa vidéo. Allez, c'est parti. On va suivre Koba jusqu'à trouver la petite plage. Non mais eh mec, regardez cette 187 qu'on est dans le vide. C'est quoi ça? Attends, attends, attends une seconde, attends. Ralentis un peu. Mais voir, marche. Mais mec, c'est... Aïe, je me suis pris le poteau. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Non mais qu'est-ce que c'est? Attendez, il est passé où ce qui met des toilettes? Ce qui met des toilettes, t'es passé où? Il a disparu. Bon, il va nous rejoindre à la plage. Allez, je prends la moto. Et où est-ce que c'est la plage? Koba, s'il te plaît, amène-nous. Et d'ailleurs, les abonnés, est-ce que... Attends, j'ai posé une question à Koba. Koba, est-ce que t'as déjà vu la petite sirène dans Minecraft? Sans, arrête-toi la moto. Ouais, mec, t'as vu comment elle est trop stylée? Mais mec, elle est tellement stylée. Limite, les abonnés, je vais vous dire quelque chose. Je trouve plus stylée la petite sirène dans Minecraft que dans la vraie vie. C'est pas une blague, genre. Vraiment, je vais vous le dire, sincèrement. Donc voilà. Tu me la voles pas, hein. Non, quoi? Attends, mais c'est ton amoureuse? Mon amoureuse à moi. Quoi? Ok, j'étais pas au courant de certains trucs. Eh, c'est sur une scène, tu la trouves. Tu l'as déjà vu, toi, la petite sirène dans Minecraft? Pas du tout. Ah, ok, d'accord. Bon, il fait le moonwalk, il est. Ah ouais, franchement, un beau gosse, 708. Bon, allez, let's go. Allez, voilà la plage. Forêt. On a perdu ce qui me dit toilette. Je sais pas où est-ce qu'il est passé, ce qui me dit toilette. Mais il faudra quand même le retrouver. On va trouver la petite sirène dans Minecraft. Ça va la faire venir dans la vraie vie. J'ai toutes mes caméras qui sont reliées. Voilà, tranquillement. Ça va se passer très simplement. On se met bien. Voilà, parfaitement. Eh, par contre, mec, on doit faire combien de kilomètres avant d'atteindre la plage là? J'ai l'impression qu'on est dans la ville. On est bientôt arrivé. Ok, bon, ça va. Avec cette scène, c'est qui court dans le vide. Eh, vraiment, ça me fume. C'est l'une des meilleures scènes de cet épisode pour l'instant. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bon, allez, directement, une fois qu'on sera arrivé tout simplement au point d'eau à la plage, on va directement regarder. Déjà, voir s'il se passe des choses dans la vraie vie. Hein. On va déjà checker ça. Voir si justement ça avance. Bon, allez, let's go, c'est parti. Messieurs, nous sommes arrivés dans le village où il y a la plage. Ok, let's go. On rentre par où? Là-bas, là? Par là. Ok. C'est gros machin. Vas-y, vas-y, c'est parti. Alors, c'est écrit quoi? Allez, on se gare. Cartoon Village. Ok. D'accord. Ok, j'y suis jamais allé. Wouah! Il y a la Playtime Company juste ici. Mais what? D'accord. Bon, écoutez, les abonnés, on va aller checker. Oh! Il y a la tour de la patte patrouille en plein milieu du village. Wesh! Ah ouais, mais mec, il y a tellement de choses. Ah ouais, il y a Gusto. Regarde, il y a le château de Pink. Non mais c'est abusé. Ah ouais, bon bref, on va aller à la plage. Moi je m'en fous un peu du village. Je veux la plage, je veux la petite sirène. Où est-ce qu'elle est, la sirène? Je veux la trouver là. Allez, elle est où? Non, 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 non. Tu vas la pêcher peut-être. Non, non, non. Je vais la pêcher. Allez, go. Ah, c'est bon. La plage, elle est juste ici. Ok. C'est parti pour consulter les caméras dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cascade? Est-ce qu'elle est posée sur les pierres? Et la réponse est non. On observe et franchement, je vois rien du tout, hein. Pas de petite sirène posée sur les pierres. Écoutez, on va passer à la prochaine caméra, le ruisseau. Pas non plus de petite sirène. Je pense qu'on va devoir faire quelques efforts sur Minecraft pour la faire venir. Et ensuite, on va commencer à la voir dans la vraie vie. Mais là, c'est vrai que faire des lacs... Ouais, non. Rien du tout pour l'instant. Bon, il n'y a pas de petite sirène. Voilà, il n'y a pas de petite sirène. Donc, qu'est-ce qu'elle aime bien la petite sirène?
sirène, Koba. Toi qui est amoureux de, d'elle. De quoi? Toi? Ouais, ouais, bah écoute, on va te mettre. Ah non, les sirènes, vous savez que normalement les sirènes, c'est pas du tout gentil. Hein. Je vais vous le dire. Les sirènes de base, c'est quelque chose de très méchant. Ah bah oui, les sirènes, vraiment, c'était fait pour. Wesh, est-ce qu'il y a une toilette? Les sirènes de base, c'est fait pour emmener les marins au fond de l'eau. Hein. Genre, en gros, elles chantaient des chants, tu vois. Ça attirait les marins avec les chansons, ils tombaient amoureux. Et en gros, ensuite, elles les chopaient, elles les emmenaient au fond de l'eau et elles les butaient, en gros. Voilà, c'est ça une sirène de base. Donc voilà, donc déjà, ce qu'on va peut-être faire, c'est que. Est-ce que cette sirène-là, elle est gentille ou méchante? Je sais pas. Sur Minecraft, elle est gentille ou elle est méchante, Koba, cette sirène? On va vite le savoir, je suis en plein milieu de l'eau et on va le savoir. Je crois que c'est ton amoureuse. Bah ouais, c'est pour ça. Bon, là, je suis en train de couper du bois pour nous faire des petits bateaux et en fait, on va aller se balader au milieu de l'eau et on va voir si la sirène, elle fait des dingueries. Ouais, est-ce qu'elle arrive et elle chante pour nous attirer au fond de l'eau? On va voir ça, on va très vite le découvrir. C'est parti, je récolte le bois. Tac, tac. Oh, c'est ouais, t'es un peu cringe. Eh, hey, mais t'es au milieu de l'eau. Attends, fais gaffe, faut prendre des bateaux, je pense. Parce que ah ouais, elle pourrait venir te choper et ça pourrait être très dangereux. Hop, voilà. Putain, je fais combien de bateaux? On est 4. Attendez, Skippy Toilette, il peut rentrer dans un bateau même. Attends, Skippy Toilette, rentre dans le bateau pour voir. Mais what? Attends, mais Skippy Toilette, avance. Mais what? Mais ok, bon, écoutez, ça n'a aucun sens. Allez, 708, tu montes dans ce bateau là. Koba, tu montes dans ce bateau là. Vas-y, monte. Et moi, j'ai monté dans ce bateau là. D'ailleurs, on peut monter à plusieurs des bateaux, mais c'est pas grave. Donc voilà, on est chacun dans nos petits bateaux. Et là, on va se balader en criant le nom de la petite sirène. Petite sirène, où es-tu? Petite sirène, où est-ce que t'es? Y'a quoi ici en fait? Y'a une grande roue. Ah ouais, c'est plutôt stylé, hein. Ah ouais, c'est stylé. C'est vraiment plutôt pas mal. Bon, par contre, la sirène, je la vois vraiment pas. Je vais plonger dans l'eau, tiens, on va regarder. Ok, y'a pas de petite sirène. Y'a pas non plus de ce qui ressemblerait à une base de petite sirène. Je sais pas où est-ce qu'elle peut être. Toi, quand tu la vois, Koba, elle est plutôt où la petite sirène? Moi, je vais près de la grotte. Ok, elle est près de la grotte. Bah écoutez, déjà, les abonnés, ce qu'on va faire. Attends, elle est où la grotte? J'accoste TN ici. Du coup, je vais mettre en gros des caméras. C'est pas drôle. Si, je suis sûr que les abonnés, ils ont rigolé. Eh, hey, si vous avez trouvé drôle cette blague, vous mettez un pouce bleu. Et si vous avez trouvé ça super nul, vous mettez un commentaire. Vous dites Diabolo, t'es vraiment pas drôle. Bon, du coup, non, mais laisse les caméras. Pourquoi vous avez les cassé? Non, faut laisser les caméras. En fait, je vais placer différentes caméras pour surveiller la zone et tout simplement voir. Bah, justement, si par exemple, tu vois qu'on sera là-bas, et ben je peux checker cette caméra là et voir s'il se passe des choses intéressantes, tu vois. Donc, du coup, je vais placer des caméras à différents endroits et puis ça va nous permettre un petit peu de quadriller la zone et de la voir constamment, voilà, en visio. Voilà, c'est bon. Du coup, on va longer. C'est où qu'elle est la grotte, Koba? Faut que je prenne ton bateau. Ok, vas-y, c'est j'arrive. Une grotte marine. Vas-y, je vais prendre mon bateau et je vais te suivre. Vas-y. Je prends mon bateau. Attends, wesh, mais c'était mon bateau ça. What? J'étais à l'intérieur de ce qui met des toilettes. Ah, ça fait super bluffé. Bon, allez, c'est bon, j'ai pris mon bateau. Alors, fais voir. Allez, c'est parti. Eh, d'ailleurs, les abonnés, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux d'un personnage de dessin animé? Si oui, mettez un pouce bleu sur cette vidéo. On va voir combien de personnes. Tiens, c'est déjà arrivé à des gens. Ici, hein. Moi, je dirais de qui j'étais amoureux quand j'étais petit d'un personnage de dessin animé. Dans le prochain épisode, je le dirai, mais uniquement s'il y a 5 pouces bleus sur cette vidéo. Ok? Bon, allez, let's go. Toi, comment est-ce que tu es déjà tombé amoureux d'un personnage de dessin animé? Jeu vidéo, ouais. Ah, jeu vidéo? What? De qui? De Pyra et Mira dans Xenoblade 2. Ok, je sais pas du tout c'est qui. Ok, c'est. Waouh, mais arrête! Je vais à l'intérieur de Skippy Toilette à chaque fois. Bon, du coup, oh la grotte! Waouh! Ok, elle est super stylée. Je vais mettre des caméras à l'intérieur. Désolé, on va mettre des caméras directement. Ah ouais, c'est super grand surtout. C'est giga grand, hein. Elle apparaît ici, la petite sirène. Ah ouais, ok, ouais, bah je crois, hein. En même temps, c'est super stylé, hein. On va mettre plein de caméras à l'intérieur. Ok, hop. C'est sûr qu'on va la voir là à l'intérieur. C'est sûr, j'en mets plein des caméras ici. Oh là là là. Mais wesh! Mais c'est giga grand! Mais what? Mais attendez, mais c'est tellement grand! Mais what? Vraiment, je pète mon crâne, hein. Ah oui, d'accord. Désolé. Là, je mets des caméras vraiment rapidement, mais je mets même une caméra à l'intérieur de la maison. Hop, je peux pas la poser. Attendez, je vais la mettre. La légende raconte que cette grotte appartient à Jack Sparrow. Je peux casser cette grotte, cette caméra là, c'est Koba. Juste la deuxième. Ouais, voilà, c'est parfait. Parfait. Ok. Bon, écoutez, la team, si la sirène elle apparaît ici, on va vraiment pas la louper. Ça veut dire que vraiment on va la voir dans la vraie vie. D'ailleurs, je vais checker. Ah, j'ai capté les caméras dans la vraie vie. À mon avis, c'est parce qu'on est dans une grotte. Je vais sortir à l'extérieur parce que là, ouais, à mon avis, c'est parce qu'on est dans la grotte. Je peux la capter. Je sors, je reprends un bateau. Ok, voilà. C'est parti et on va aller voir s'il se passe des choses. Et j'atterris sur ce ponton. Et là, effectivement, je recapte les caméras dans la vraie vie. On voit au niveau de la cascade. Ok, rien à signaler. Bon, écoutez, c'est comme ça. Le ruisseau, ouais, rien non plus. Bon, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. C'est pas grave. Bon, on va checker du coup. La petite sirène, elle est toujours pas là. Peut-être qu'elle était cachée dans la grotte en vrai. Hein. Peut-être qu'elle était cachée dans la grotte. Mais ouais, c'est fortement possible qu'elle était cachée dans la grotte. Et là, du coup, on va pouvoir la checker. Enfin, ça, c'est les caméras que j'ai placées à l'intérieur. Oh, on commence à être dans la grotte. Ok, d'ailleurs, j'ai une vision nocturne. Regardez, on voit encore mieux. Let's go. Caméra. Oh, wesh. Attendez. Caméra 8. Waouh, les gars, je suis en face de la petite sirène. Elle est tellement stylée. Waouh, un maximum de pouces bleus d'abonnement. Regardez à quel point elle est stylée. Je vais zoomer dessus. Attendez, non, vraiment. Oh,
C'est dinguerie. Elle est juste incroyable. Il faut qu'on la voie de nos propres yeux. Oh là 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 là. Maintenant que j'ai vu la petite sirène sur Minecraft, je vais checker dans la vraie vie. Elle doit sûrement être là. Oh là là, la dinguerie. Après, on ira la voir évidemment dans sa grotte Minecraft. Hein. Vraiment, 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 je vous le dis. Alors, attendez, mais comment est-ce que je passe par-dessus là? Wesh! Non, c'est bon, je suis passé. Ok, du coup, là, on va checker. Ok, là, je suis du coup au niveau de la cascade et rien du tout. Je vais checker le ruisseau, rien du tout non plus. C'est bizarre. C'est bizarre. Attendez, mais. J'entends du bruit chez moi? What? Attendez, on va regarder chez moi dans mon couloir d'entrée. What? Il y a le porte-manteau qui bouge tout seul avec la porte qui se ferme et qui se... What? Mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Attendez, la petite sirène, peut-être avant d'apparaître au lac et tout, elle était déjà apparue, genre il y a un petit bout de temps. Je l'ai peut-être pas vue tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez remonter la vidéo, remettre au début. Il y a sûrement un moment où j'ai dû la louper. Tous ceux qui l'auront vue alors que je l'ai pas vue, je mettrai un gros cœur à votre commentaire. Donc allez faire les enquêteurs, la remonter au début de cette vidéo. Re-regarder au tout début, j'ai dû forcément la louper au niveau du lac ou des ruisseaux ou de la cascade. Elle a dû apparaître à un moment donné. Et là maintenant elle est déjà dans ma maison. C'est une dinguerie. Peut-être que elle est déjà peut-être dans mon salon parce que j'entends du bruit. Je viens de checker dans mon salon. What? Les Ursula, le jouet d'Ursula qui est en train de bouger au milieu de ma table. Mais what? C'est quoi cette dinguerie? Les abonnés, là c'est sûr, la petite sirène, elle est chez moi. Oh là 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 là. Ça veut dire que je vais sans doute la filmer, je vais pouvoir reprendre les activités dans ma maison et elle va sans doute venir me voir. Mais juste avant, on va faire un truc, juste avant. C'est qu'on va aller la voir dans sa grotte Minecraft parce que je veux la voir vraiment de mes propres yeux sur Minecraft. Voilà, c'est la meilleure idée qu'on peut avoir. Allez, c'est parti, on y va, on y va, on y va. Alors la grotte, elle est où déjà? Elle est... Je suis dans le bon sens là, Koba. Je vais dans le bon sens. Tu sais pas, t'es où? Ok, ok. Ouais, tu fais 20 ans et après tu prends à droite. C'est par là-bas, c'est par là-bas. Et on va checker d'ailleurs si elle est toujours là-bas. Oh, elle est toujours là. Les abonnés, c'est une dinguerie. Elle est tellement stylée. Mais il faut vraiment que je la voie de mes propres yeux sur Minecraft. C'est vraiment l'objectif. Oh là 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 là, dinguerie. J'ai tellement hâte. On va aller la voir. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Venez, 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 venez. Ouais, ok, on descend. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ok. Est-ce que vous pensez qu'elle est dangereuse? Oh, c'est la question aussi. C'est mon amoureuse. Non, il y a moyen qu'elle soit dangereuse. Donnez-moi des armes, donnez-moi un gun. Gun, munition. Okay. Il faut qu'on soit prêt à n'importe quelle éventualité si elle est dangereuse. Moi, je suis prêt, tu vois. Ok, je prends ouais, bazooka. J'ai une épée. Non, j'ai gun, j'ai une mitraillette. Ok, est-ce que je peux recharger? Jamais. Non, attendez, je peux pas recharger. Attendez, il est enrayé. Bon, au pire, ça le fera. J'ai aussi une petite mitraillette. Voilà. Je peux. Elle est... Ah, c'est bon. Elle est pas enrayée, mais genre, elle, regardez, je peux même pas le recharger. Il est complètement enrayé. Bon, ça, il est pourri. Je prends ma petite mitrailleuse. Ok, et c'est parti. Alors, faut pas qu'on lui fasse peur non plus. Ok, il y a une caméra juste ici. C'est une caméra que j'ai passée tout à l'heure. Au début, j'ai peur, j'ai cru que c'était une caméra de surveillance de la petite sirène. Où est-ce qu'elle est? Un diabolo, diabolo, diabolo. Oh, elle est juste ici. Elle est juste ici. Oh, mais elle est tellement stylée. Oh là là. Je crois qu'elle nous a repérés. Oh, attends. Mais attendez, mais c'est quoi cette discrétion en carton? Non, mais... c'est la pire discrétion que j'ai jamais vue de ma vie. Eh, je me dis, je suis planqué derrière le mur. Je me retourne à skimmer les toilettes. C'est 108 CN. Frère, il est fluo, stabilo. Et t'as un coma qui est clairement pas caché. La petite sirène, elle est juste là. Waouh. Oh là 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 là. Elle fait plein d'éclairs. Oh, la petite sirène. Attends, elle va peut-être nous suivre. Attends, viens la lumière, petite sirène. On va te voir la lumière. Oh là là, elle est magnifique, hein. Wow. Je vous présente les abonnés, la magnifique petite sirène sur Minecraft. Regardez son trident, wow. Il est magnifique. On a son trident, on l'a, regardez juste ici. Non, franchement, elle est incroyable. J'aime trop. Regardez, on voit aussi sa queue de poisson. Elle est magnifique, c'est une dinguerie. On va l'emmener à l'extérieur. Allez, suis-nous. Viens, viens, viens à l'extérieur. Viens, viens, viens. Viens, venez, venez, venez. Voici la petite sirène. Let's go. Et franchement, c'est incroyable. C'est l'un des personnages les plus stylés qu'on a jamais vu sur Minecraft. Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Non, franchement, elle est surpuissante. Et avec son trident, elle peut balancer des éclairs et tout. Non, très, très, très stylé. J'ai très très hâte de la voir dans la vraie vie. Et c'est maintenant. Maintenant qu'on a vu la petite sirène dans Minecraft, on va la voir dans la vraie vie. Mais juste avant, petit jeu. Est-ce que vous voyez la petite sirène sur cette image? Vous avez très peu de temps. Si vous avez trouvé la petite sirène, vous avez le droit de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Mais uniquement si vous avez trouvé la petite sirène. Et si vous avez trouvé la petite sirène enfant, alors là, vous avez le droit de vous abonner et d'activer la notification. Bon, même si vous ne l'avez pas trouvé, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche. Ok, un plan extrêmement intéressant puisque je vais jouer dehors. Oula. Ok, j'ai mis le ballon dans la piscine. Je vais jouer dehors. Là, à tout moment, la petite sirène, c'est sûr, elle va venir. Tu vois, derrière les palissades,
dans mon jardin. Alors mon jardin, il faut que je coupe l'herbe, on est d'accord. Ok, plan extrêmement intéressant. Je vais dans mon jardin, à tout moment la petite sirène, elle est là. Elle va passer derrière les palissades. C'est toujours dans mon jardin qu'on voit la première fois les monstres. Là je vais tirer, mettre un magnifique but. Bam, let's go. Si. Mets un like si tu kiffes Cristiano Ronaldo. Ouais, je speed. Bon, let's go. Voilà, nous tranquillement on fait nos petites affaires. On est en train de faire un petit peu de foot, de basket. Et à tout moment, voilà, la petite sirène, elle va être là. Vraiment, je vous le dis, c'est plus qu'une question de temps. D'ailleurs, je pense qu'on va aller checker les caméras au lac et à la cascade. À mon avis, c'est possible que la petite sirène, elle sorte aussi là-bas. Juste avant, on va regarder mon skill incroyable au football. C'est faux. Ah, quand même, pas mal. Ok, dans la piscine, ça va, ça va. On gère plutôt bien. Ok, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Non mais qu'est-ce que je fais? Eh, on va vite retourner à la cascade parce que là vraiment ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Ok, je voulais aller à la cascade mais regardez la petite sirène, elle est dans le lac. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh là là les abonnés, je suis tellement content de la filmer. C'est une dinguerie. Carrément je postillonne. Je suis complètement fou. La petite sirène, elle est là. Et c'est sur le chemin de ma maison. Elle est clairement sortie du lac. Là elle emprunte le chemin pour aller à ma maison. Elle rejoint ma maison. Oh, les derniers plans, ils risquent d'être masterclass. À mon avis, elle est venue me voir dans ma maison. Oh la dinguerie de fou furieux les abonnés. Je regarde ma première vidéo de la petite sirène. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je l'afficherai à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Et là, à tout moment, la petite sirène, elle se ramène. Je suis littéralement en train de regarder ma première vidéo. Elle était super cool. Mais la petite sirène, regardez, elle passe sa tête. Elle passe sa tête à gauche. What? Mais what? Et je la vois même pas. Oh, je suis dégoûté de fou. Et après, je suis allé me brosser les dents avant de me coucher. Mais non, mais non. Ok, bon, 5000 pouces bleus et je la capture dans la vraie vie. On pourra faire des vidéos avec elle. Là, il y a deux vidéos qui s'affichent. Choisis celle que tu préfères. Je te conseille celle de la petite sirène.